Salut à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode multi Europa Universalis 4. Je suis Vince et je suis toujours en compagnie de Francis. Salut Vin, salut les gens. Et comment ça va, Francis? Bah écoute, en ce samedi des gilets jaunes, ça va très bien. Bien, je Et te toi, comment propose. vas-tu mon cher Vince? Et bien, moi, ça va très bien. J'ai, comme dans la réalité, pas mal de révoltes à gérer. Ouais, Donc, on va voir comment ça va se passer. et moi, je me propose d'être relativement sympa et de lever l'embargo que j'ai sur ton si beau pays. Et Voilà. c'est gentil. Merci. Alors, je sais pas si on l'a. Alors, attends, on va faire jouer. T'es prêt? Yep. Vas-y. Je sais pas si on l'avait fait en live ou pas. Mais moi, on a décidé de se dérivaliser. Oui, Est-ce qu'on pense. c'était justement, c'était dans l'épisode précédent qui avait duré 1h10. Par ma... Non, je vais pas dire que c'est par ma faute, hein, parce que je suis jamais fautif, mais c'est l'idée, quoi. On Mais s'est effectivement dérivalisé. voilà, donc l'idée ça va être de s'occuper d'un autre pays en vert. Ouais, le fameux kebab. Voilà. Ouais, 40 000 troupes ici, ça fait un peu... Bon, la bohème, tu dégages ou pas? Non, tu es... Ah, t'es cor... T'es... H. T'es dodu, bohème. Un peu énervé, la bohème, quand même. Bon, allez, je vais... J'essaie de t'ouvrir en deux. Ah, c'est bien, les Toscans. Je suis fier de vous. Ouh, 122. Ouh, ça y est, il commence à y avoir des armées assez vénères dans le coin, quand même. On a perdu le siège de Moscou, c'est pas grave, de toute façon Moscou ça aurait été la ville la plus pillée dans toute l'histoire. Alors, moi, mon objectif, ça va être de réorganiser mes armées et mes flottes. Un épisode riche en rebondissements, je pense. Voilà. Oh la vache, mon moral il est tellement dégueulasse. T'as quoi toi pour avoir un bon moral? Professionnalisme de l'armée. Ok. Bon, en même temps, tel bon. Bien. Oh non, on taxe pas. Ah, on a perdu le général! D'où Jésus? Viens voir papa, toi. Pas où tu vas te tirer, mais je vais essayer de te pécho. Tout ça à chantier. Repli au Pas fort mal. peut-être. Ah le pleutre. Bon, moi je voulais donner un truc aux Anglais aux Anglais pour Nivernais, mais à voir. Ah non, Nivernais, ils ont joué. C'est un cancer cette bataille. Bon, je vais poser mes fesses à Munich. Basta. Il m'en faut 4. Limite de force, je crois qu'elle était un peu dépassée, mais c'est pas grave, on fera avec. Ah oui. Je suis heureux de t'annoncer que j'ai un nouveau vassal. Oh! Et quel est son nom? Bon, Trêve! il est pas très fort, mais voilà. Ça Comment t'as permet fait pour d'être dans la. vassaliser Trêve? Bah, je me suis allié avec eux et voilà. Et ouais, l'échange de bottes. Ouais, pas mal. Conserve. Putain de cancer, le Quoi? gars. Le mec, il est partout, Moi? quoi. Ouais, toi, oui, toi, exactement, toi. Et Francis est encore très gentil aujourd'hui. Oui, je suis content en ce moment. La Mazovie, c'est pas mal, ça. C'est où, la Mazovie? Ça va Faire être... petit à petit. Ah bah oui, carrément, bien sûr qu'on va en faire un état. N'est pas des bêtes. Là, j'ai des bateaux un peu Alors, partout. Varsovie, on va pas en faire un truc. Par contre, dégage. Ah, dégagé.
Königsberg, c'est un peu stupide de ma part d'avoir fait, d'avoir mis un siège au Parlement. Danzig, non. Eh ben, on va te donner ça et tu vas me lâcher comme ça. Voilà, t'es content? Non, mais sérieusement, mes Anglais, ils font vraiment... mes alliés, ils font vraiment que dalle, quoi. Sérieusement, ils savent pas gérer, quoi. On dirait moi et les Espagnols. Ah, sérieusement, c'est... C'est pas casse-pied, mais bon, ça s'en rapproche, en tout cas. Bah, pour la peine, je vais faire un... Une unité de religion imposée. Voilà. Comme ça, c'est plus rapide et c'est plus meilleur bien. Vache. On commence par ça. Ouf, bon. Bon, peut-être que les bohémiens sont calmés maintenant. Ah bah voilà, Bohème, t'as compris. Prends un peu d'argent si je peux. Alors Bohème, juste pour toi, ok. Je veux que tu sois en réparation de guerre. Ouais bah ça va pas tard. Ah, tu remets tes troupes. Ouais bah occupe des choses, franchement occupe des choses, je m'en branle. Okay. Allez, c'est pas grave. Bon, j'aimerais bien pouvoir prendre des techs, ce serait relativement bien. Perdons en prestige, allez, c'est pas grave. Ça commence à me taper sur le système, cette affaire. Mentalité défensive, sans deck. Ah, ça, ça peut être intéressant. On va voir s'ils vont bien gérer. Allez, ah, il y a le Brandebourg qui est arrivé dans la bataille, ça va faire mal. Allez les gars, tenez. Les Anglais arrivent, mettent des baffes. Voilà, ils vont me faire perdre du score de guerre, c'est pleutre. Et ils vont arriver à la fin de la bataille. Ah non, c'est bon. Non, ça va. C'est bon. La bataille de Prague se passe relativement bien pour le moment, on met des baffes. Bah, ils mettent des baffes, hein. Moi je fais rien. Oh la vache. Ils ont des bons généraux quand même. Ouais, je la vois parce qu'il y a Nivernais dedans. Ouais. Alors Nivernais. Ils sont en train d'occuper la Grande-Bretagne. La France anglaise. Ouais, la France anglaise, on va dire. Réparation de guerre, c'est parfait. Nivernais, tu veux pas... Oh, je veux rien donner à l'Angleterre, en fait, au final. Hein. Ils me font chier. Je vais juste prendre Nivernais. Hop, hop. Ta thune, parce que c'est sympa la thune. Tu transfères. Bon, tu fais juste ça. Je récupère 132. Ouais, bah pourquoi pas. Et Nivernais se casse uniquement. D'accord. Merci, au revoir. Voilà. Nivernais, bye bye. Ah, je peux intervenir dans le conflit. Ah, sérieux? Non, je peux pas. Ah, je me tape des une révolte. Et y a pas une grande puissance dans le camp en face. Mmh. Lunebourg, c'est à qui? C'est à Lunebourg. Bah, Lunebourg, tu sais quoi? Je te veux bien. Voilà. Un peu de caillasse. Et puis merci, au revoir. Je te bouffe, Lunebourg. Hein, parce que t'es à moi. Voilà. Ah, des séparatistes. Super, ça faisait longtemps. Ils sont où? Ah, c'est pas une coalition. Pour l'instant ça va. Pour l'instant ça va, c'est 37. Mais je pourrais peut-être pas bouffer autant de choses que je souhaite, hélas. Tu vas bien dans l'Empire en tout cas. Ah ouais, c'est un peu mon but. Bah l'Empire. Voilà, paye ton Empire. Mais effectivement, c'est pour ça que je vais essayer de la faire durer au maximum cette guerre. Je vais essayer de tout piller. Pour récupérer, pour rembourser un peu les dettes. Voilà. Je vais surtout légitimer ça pour pas avoir le province illégal de la part de l'empereur. Et je vais essayer également, si cela est viable, de... Je sais plus ce que je voulais faire. Voilà.
D'aller dans les pays outragés et faire un peu du cirage de pompe. Voilà. Tu sais quoi, tu vas deux fois dans les pays outragés, ce sera déjà pas mal. Allez, Schnell, pays outragé. Voilà. La Lorraine veut passer, t'es en guerre contre Ulm et la Savoie. Passe, on fout. C'est un peu plus rapide à piller quand t'es une horde, hein, quand même. Hein. Ah, c'est vrai, il y a Ulm. Je l'avais oublié, celui-ci. Ouais. On va quand même piller par principe. Hein. On récupère plus 5, on va, c'est bien, ça va nous rembourser notre emprunt, cette affaire. C'est vrai que je voulais faire ça. Je pourrais mettre les impôts de guerre, mais on va éviter. J'ai des points, donc oui. Où est-ce que ça serait plus rentable à développer? Ouais, sans deck. Ici, ouais. Un truc peut-être à construire, si je peux pousser à 10, ça serait pas mal. Tiens, pas mal ça, je l'ai fait monter à 10. Tu peux pas encore, mais c'est pas grave, tu vas bientôt pouvoir. Aux ailes, ouais. Ouais, vas-y, allez. Ah, bah tiens, voilà, cadeau, t'es à 10. Mais on gagne, je gagne des batailles, mais je regarde même pas ce que je fais. Bon, les bohémiens. On revient de Toscane. Encore des trucs à piller là ou pas? Oui, il reste un peu d'argent, attends. Alors, Bohème. Demandez la paix. Alors, tu veux des réparations de guerre? Bah, un peu d'argent quand même, attends. J'ai des emprunts à rembourser, moi. Voilà, c'est déjà pas mal. Et puis, c'est pour eux uniquement, précise. Oui, parfait. Voilà, la bohème pue dans la guerre. Parfait. Maintenant. Maintenant. Oh là là. On batch. Ah non, on va aller à Ulm, tiens. Oh, bien! Moins 2 d'agitation dans le pays. Ça, c'est une bonne nouvelle. On va rembourser notre emprunt. Voilà, on n'a plus d'emprunt. Parfait. On va aller à Ulm. J'ai des révoltes, hein. Est-ce que j'ai des révoltes pour changer? Dans aux quatre coins de ton pays? À Madagascar. Non, nous avons abusé de Madagascar. Ok, c'est pas grave. On va prendre Ulm. Bon, j'aimerais bien pouvoir gagner un peu plus d'argent. Quand... Bah, pas plus d'argent, mais... Ouais, je gagne quand même 10 par tour. Est-ce qu'on peut augmenter un peu la vitesse? Vas-y, tente. Vas-y, on tente. Parce que là, la guerre, j'ai l'impression qu'elle dure 2000 ans. Et... Rambourg, oui, clairement. Pour l'instant, t'as l'air de me suivre. On se suit, quoi. C'est pas trop mal. Allez, Ulm, ça tombe. Hein. Allez, tu tombes, Ulm. Yes, on a repris le siège de Ulm. Ah. Ça va trop vite, là. Oh, bon, d'accord, ok, je remets en deux, alors. Attends, non, est-ce que j'ai des révoltes de partout? Tu sais, moi, j'ai pas que l'Europe, hein. Ouais, non, mais c'est vrai, toi, gérer, c'est un peu plus compliqué. Je te l'accorde. Eh ben, des réparations de guerre...
Voilà, toute ta thune. Oh, t'en as un peu, c'est bien. Tu annules ton alliance avec Lübeck. Pourquoi pas. Et tu. Donc, tu donnes rien à l'Autriche. Bah voilà, c'est bien ça. Tu récupères un peu de thune. Et t'annules ton alliance avec Lübeck, comme ça, j'ai plus envie de venir te voir. Merci, au revoir. C'est pour eux uniquement? Oui, parfait. Parfait. Je vais faire durer cette guerre. Pourquoi? Parce que je n'ai pas envie d'avoir le territoire illégal. Et ça fait un peu baisser la surexpansion. Et tout ça, tout ça. Et Normal puis en que ta plus, on. guerre dure longtemps. Pardon? Normal que ta guerre dure longtemps dans ce cas. Ouais, bah je vais voir. Je vais faire une simulation là rapidement. Alors je vais prendre tout le pourtour. Voilà. Je vais lier mon empire. Oh, bah ça va! Et si je bouffe Brandebourg? Ouais, bon, c'est une question de point de vue, quoi. J'aurais une coalition de l'Autriche, de la Bohême, de Lübeck. Bon, Lübeck, je m'en tape, mais si je prends ça. Moi, j'ai donné tout mon go à la France. Tu t'as donné quoi? J'ai pas entendu. Tout le Congo à la France. Démerde-toi. Bon, c'est pas grave, on va piller un peu. J'aimerais bien un Gus qui nous fasse de la répute diplo à la place. Mais à voir, c'est pas possible. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est un peu augmenter. Waouh, Varsovie, oui. On va construire un truc à Varsovie dès qu'on le pourra. Ah, c'est abusé le nombre de provinces. Ah, nous avons désormais le contrôle sur l'intégralité de la région de Novgorod. Bah, des hein, quoi. Ah, t'as une carte de victoire Bah ouais, mais bon, je l'avais déjà, Novgorod, normalement. Bon. là? Ah, regardez. La mienne. Bizarre. Ok, sur toute l'Espagne en gros. Et toi, c'est quoi? C'est où Ah, ces cartes Novgorod. de victoire? Ah, il devrait faire une recherche là-dedans quand même. Ces cartes de victoire. Économique. Économique. Ouais, bah j'ai tout affiché, comme ça c'est réglé. Carte de victoire. C'est où ce truc? Climat, je l'ai passé évidemment. Pillage, institution, commerce, carte de victoire. Voilà. C'est quoi les cartes de victoire du coup? Faut que je clique sur un pays. Ouais. Ah d'accord, les cartes de victoire, c'est ça. D'accord, sympa. Ah, toi, tes cartes de victoire, c'est toute l'Espagne. Et pour moi, c'est. Bah, savoir ça. Ouais, ok. Ouais. C'est juste pour le concours de quéquette, quoi, c'est ça? Le score en fait. Ouais, le score, ouais. Bah, je vais essayer de le faire. En multijoueur, c'est ça permet de, tu vois, Ouais, savoir qui a la plus grosse, quoi. permet d'enlever des alliances aussi en fait. Sérieux? Ah, genre si t'es allié depuis le début, mais qu'au final, c'est la carte de victoire et c'est son territoire, tu vois. Ouais. Bah, ça t'oblige à le niquer en fait. Ah ouais. Bah pourquoi pas, ouais. Je suis encore en trêve avec eux. 18... Ouais, encore un peu d'attente. C'est pas grave. On va piller le pays. Ulm est en train de payer pour la guerre. Et puis à Berlin, il y a des trucs aussi à piller. Parce que Berlin, on l'aura pas, donc on va le piller. J'aime bien ta façon de penser. Ce que je ne peux pas avoir, je le détruis. Non. Alors, on va pas faire de général tout de suite là maintenant, parce que j'ai envie de passer ma dernière tech pour avoir 5 de discipline, et ça va bientôt arriver. Par contre, j'ai une lassitude de guerre élevée. C'est pas grave. On pille. Faut voir le bon côté des choses quand même. On va éviter pille à 4500. On va aller en... On pille vachement lentement quand même. De quoi? Je trouve que. Bah, j'ai peut-être l'habitude avec la série avec les. Allez, comment ça s'appelle? Les Mongols. Qu'est-ce qui est lent? Bah, le pillage en fait. Parce qu'avec les Mongols, tu pilles la région en 10 secondes quoi. Bon, après, les régions sont un peu moins riches. Il y a une vieille steppe. Lübeck, t'as pas d'héritier. Tiens donc. J'aimerais bien me bouffer Lübeck quand même. Bon voilà, je vais prendre l'Alsace. Bah je vais prendre l'Alsace. Je vais piller l'Alsace. Alors, perte d'argent. Constitution d'un réseau d'espionnage. Putain, on me fait chier de perte d'argent. Autrement, non.
Ouais, bon, on va perdre un peu de prestige, c'est pas grave. Oh, le Brancbourg. Pauvre Brancbourg. Bon, Ulm, je te remercie en tout cas. C'est intéressant. Des réparations de guerre. Ta thune. Transfert de puissance commerciale. Déjà pas... Ah, ça passe plus. Avant, ça passait, c'est dommage. Eh ben, on va attendre, c'est pas grave. Ah, on peut prendre la dernière tech. Et on va la prendre tout de suite. Voilà, combativité de l'artillerie. Et maintenant, on peut prendre... On a plus 5 de discipline. Donc là, c'est bon, c'est moi le papa. Et maintenant, on peut prendre une nouvelle... Ah, le discipline plus 5, il me faut les doctrines économiques pour avoir plus 5 de discipline encore. Ouais. On va aller là. Ouais. Dans les polices? Ouais, dans les dernières, ouais, politique militaire. Ouais, tu vois, c'est, ça peut être super fort. Hein. Ah bah ouais, j'avoue que plus 5 de discipline, c'est assez vénère quand même. Ah, Ulm, il y a ça aussi. Oh bah. Écoutez. On peut pas construire un truc. Ulm va me le payer, je pense. Il me faut 400. Ah, je gagne combien en réparation de guerre, je gagne 17. Ouais. Ouais. C'est très agréable. Bon. Voilà, là maintenant je devrais pouvoir quand même créer quelque chose d'intéressant. Voilà. Varsovie, un petit truc. Et là. Ouais, là, il va falloir attendre. What's happen? Non, bah va pour l'autonomie, comme ça vous allez me lâcher. Maintenant, je veux tout ça. Une coalition juste de l'autre. Ouais, ça vaut. La Lituanie a mis la discorde chez nous. Comment ont-ils osé? Ouais, bon, ça passe. Ok, donc, Ulm, je te remercie. Donc on remet en plus 3. Non, pour l'instant, ça va. Bah, je veux bien, je fais ma paix, là, pour le moment. Je termine ça. Il me faut de l'argent en plus. Attendre que tu reviennes. Alors, Kazan reçoit un siège au Parlement. Bah, reçoit un siège au Parlement. Bah, ici, je prends Berlin. Ah, Berlin, dommage. Et Rupine. Rupine, c'est cher aussi. Et là. Ah non, bon, on va juste prendre ça. C'est déjà pas mal. Plein d'argent. Réparation de guerre. Ça nous coûte 200 points légitimés, mais on récupère pas mal de trucs. Allez, go. Merci beaucoup. C'était intéressant comme guerre. Maintenant, on a lié enfin notre empire. Et c'est très joli. Tu gères bien, en vrai. Merci, je sais. Tu peux me dire des choses que j'ignore, s'il te plaît? Tu es modeste. Oh, j'essaye de l'être, écoute. Non, je te remercie du compliment. Venant de toi, ça me touche. Ouais. Bah oui. Moi aussi, je trouve que tu es un bon joueur d'Europa Universalis, mon cher. Pas aussi bien que moi, bien évidemment. On va ménager les propos, mais... Je te tolère dans mon sein. C'est gentil. Ok. Parfait. On peut prendre une tech par contre. Ouais, diplo, m'en tape. Par contre, je veux développer le pays, moi. Eh ben, on va développer ici, là où c'est rentable. Là aussi, c'est bien de développer. Alors, qu'est-ce qui se passe? Opinion sur l'Islande. La Scandinavie ne revendique plus Reykjavik. Bah, fais la tronche, Islande, hein. Je m'en bats les steaks. Non, crève. Bon bah c'est bien, on peut faire maintenant... bah on est chez nous quoi. Partout c'est chez nous. Ouais. Bon par contre il va falloir vraiment créer des bateaux parce que là ça commence à bien faire. Alors on va faire un modèle de flotte commerciale ici. Et on va commencer à créer des navires lourds. On va en créer 5. J'ai plein d'opportunités. 5 navires lourds, allez. Je vais créer ça ici s'il te plaît. Non mais arrête d'être con bordel.
On va faire ça, voilà. T'es content? Voilà. Et toi, tu rentres à la maison. T'as plein d'opportunités, tu disais? Mais... J'ai pas terminé une mission. Mais t'as pas deux? De point administratif. Ah, c'est chiant, ça. Quand t'es Kevlo en point admin... C'est ultra... Là, j'ai mon héritier qui a 4 admin, mais là, j'ai mon... truc régent qui a 1. Donc, c'est un peu chiant. Ah oui, t'es à poil. Ah merde, il faut que j'ai Lübeck. Oh, Lübeck, ça va être la galère. Brême et le Brabant. Bon, après, c'est gérable. Mais... si là, je prends Lübeck, là, ça va être la guerre civile, quoi. Mais on pourrait taper sur la Lituanie, parce que, bah, pourquoi pas, ou la Pologne. Ah, 1805, c'est pas pour tout de suite. 1705, c'est pas pour tout de suite. Eh, pas mal. Il s'est colonisé. T'es allé à qui, toi? T'es allé aux Comanches. Waouh! Toscane, notre fidèle allié, demande à ce que nous venions en aide contre lui, contre Milan et Clèves. Écoute, pour l'unité voulais, hein. Italienne, je vais dire oui. Tu voulais. Ah, c'est ce que je voulais, exactement. Par contre, je sais pas comment je vais pouvoir traverser tout le pays, quoi. Tu vas vraiment les aider? Bah, il va falloir déjà que je puisse... Ouais, il faut que je demande un CD. Ah, j'aurais dû demander un... Tu vas juste être dans la guerre et c'est tout, quoi. Ouais, bah je vais juste dans la guerre, mais j'aimerais bien leur filer un petit coup de patte, quoi. Parce que j'arrive pas à me déplacer jusqu'à... Ah, si. Si, c'est bon. J'ai les accès. Parfait. Voilà. Je vais t'envoyer 2 stacks. Et du coup, on est en guerre, quoi. Ah oui, il a ramené quand même Aragon. Et moi. En guerre contre Magdebourg, Clèves et Milan. Ça va? T'avais peur de perdre, c'est ça? On va leur filer un petit coup de main, et puis on va piller des régions aussi, tant qu'à faire. La Pologne se prépare à attaquer la Bohème. Ouais, bah tac. Et moi, ce que je voulais faire, surtout, c'était ça. T'es allié aux Comanches. Les Comanches, ils sont... Ah, bah cool, on peut faire une pierre deux coups. T'es, comment je t'ai revendiqué par personne? Eh bah tu le seras à quelqu'un. Tech, on s'en fout pour le moment. On a un colonisateur, il faudra peut-être un moment continuer à la colonisation de la belle Sibérie. On va avancer comme ça. La Transoxiane, je pense qu'elle commence à être un peu trop gourmande à mon goût. Ouais, je suis d'accord avec toi. Attends, la Transoxiane est alliée à qui? Afghanistan, Perm, Multan. Multan. Attends, c'est où ça, Multan? Ah oui, d'accord, oui, c'est pas mal. Perm. Ah bah cool, on peut faire vraiment une pierre deux coups. Et l'Afghanistan. Ah, ça peut être intéressant, ça. On va voir. On va voir là. On peut piller des régions aussi. Voilà. Pour un peu d'argent. Ici, dans le Nouveau Monde. Ah, nationalisme avec la Pologne. Pourquoi pas. Alors ici. Eux. Non. Ah, on entraîne encore avec eux. Merde. Et avec les Comanches. J'ai pas de CB. Fais chier. On trêve jusqu'à quand avec eux? Pas l'impérialisme? Si, mais je suis encore en trêve jusqu'en mai. Ouais, bah ça va, je vais attendre un mois. Je pense que je vais me prendre le luxe d'attendre un mois. Créon, il y a des trucs à piller? Mais oui. Magnifique. On peut passer en vitesse 3, si je te propose. Oui. Ça passe. Brescia, Toscane. Bon, allez, je vais te filer le 2 de siège aussi. Maintenant, toi, au nom de ma main dans ta gueule. Alors. Bah, impérialisme, hein. De toute façon, il n'y a que ça de vrai dans la vie.
Je colonise quoi là actuellement? Je colonise ça, ok, intéressant. Waouh, un peu trop vite quand même. Vas-y, remets en deux s'il te plaît. Ouais, hop là. Bon, je vais prendre Novar. Tout le monde est en train de récupérer les miettes du Brancbourg. Pourquoi pas. Et je... Non, nul. Plutôt taxé sur l'armée là quand même au bout d'un moment. Ah bah c'est bien, il me fallait de l'argent. Petite manufacture. La bohème veut passer, crève. J'aimerais, il y a plein de trucs que j'aimerais attaquer là, mais je... Tu te sens à poil. Ouais. Non, mais j'ai pas assez de points administratifs. Alors, on va attendre là. On va créer un nouveau commandant. Voilà. La version 2, s'il vous plaît. Oh, bien proportionné le monsieur. On va dégommer ça. Alors ça, Novar, je le donne à la Toscane aussi. Ah, tu t'es cassé. Je vais te dire que c'était une mauvaise idée. Newmark, c'est des... Ouais, ça passe. Alors, 118 de discipline, bah ouais. C'est vrai que ça fait mal. Toi ? Ouais. Bon, par contre, je fais vraiment des jets moisis de chez moisis. Hein. Mal, voilà. Mal. Combativité de l'artillerie plus 10%. C'est-à-dire que j'ai un 20% d'artillerie en plus. Waouh. En guerre contre Magdebourg. Ouais, bien sûr que je suis en guerre. On va essayer d'aller tout voir la tronche. Putain, moins 57 quoi. Je te ramène mes canons, c'est gratuit. Voilà, ça devrait être un peu mieux. Et je te ramène aussi mes canons ici. On est au max avec le siège là? 3. Ouais, on va je vais te ramener mes canons. C'est gratuit aussi. Voilà, comme ça on a tous les bonus qu'il faut. Voilà, très bien. Ah, la Transoxane est en train de bouffer Kazan, c'est mignon. Bon, 100%, bonne nouvelle. Donc ça je donne à... Ça c'est quoi? C'est la Louisiane? C'est qui colonise là? Merci, merci. C'est quoi qui colonise là, putain? Je veux savoir c'est qui en fait. Ouais, super, le bleu bleu quoi. Bon ça, ça sera donné à eux, et là eux... Ah non, ça sera la Louisiane. On va un peu faire grossir notre vassal. Demandez la paix. Au global. Boum, boum. Et non, mais... Oh putain. Oh là 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 là. On va gagner en mercantilisme. Non, Louisiane. Voilà, on va donner les deux à la Louisiane. Voilà. Ming vient de conquérir une bonne partie du Japon. C'est vrai? Ouais. Oh, quand ils vont exploser Ming, ça va être tellement beau.
Allez, Ils sont à plus 0,16. Plus combien tu disais? À plus 0,16 alors qu'ils étaient à plus Ah ouais, 0,37. ça commence à faire beaucoup, effectivement. Parce que justement, je pense que maintenant le Japon n'est pas tributaire et frontalier, tu sais. Ouais. Ah, il devrait perdre presque maintenant, du coup. Bah, c'est pas loin. Ils en ont beaucoup de gros en fait. Tant qu'ils ont de Chagatai, je pense que c'est ça qui fait la diff, tu vois. Mais Chagatai, c'est juste gros, quoi. Mais je veux dire, C'est pour de main en fait. ouais, c'est exactement ça. Ça la pompe pas, quoi. Bon, combativité de l'artillerie, je pense que ça va te faire mal dans la tronche, mon cher Milanais. Non, tu vas nulle part. Je veux faire cette bataille, je veux tester avant. Voilà. Ah non. Ah oui, je l'ai là. Oui, ok. Bah, stack wipe. Bah, voilà. Alors, Ouh, Milan. la Toscane a tout pris. Oh, ça Oh. sent l'Italie, ça, non? Faudrait Bah, que je je. sais pas. Je crois pas qu'il leur faut Coni, en fait. Non, Conny, non. Je crois qu'il faut Piémont en vrai. Tu crois? Ah, Ah, quoique, ouais, parce que c'était le royaume de Piémont-Sardaigne qui a formé l'Italie. Il leur faut chemin. ça. Ouais. Pas sûr à 100%. Hein. Ouais. En tout cas, s'ils forment l'Italie, c'est beau gosse. Je suis content d'avoir pu aider mes compatriotes. Ouais. Bon, bah, ça se passe pas trop mal, là. Là, toi, tu vas protéger le commerce en... Ah, Lübeck, c'est pas possible encore. Mer du Nord, mer Blanche, Golfe Saint-Laurent. Bah, mer du Nord, on va accentuer une autre chose. Hein. Oh. Tu coûtes moins cher et t'es meilleur. Donc oui, clairement. Voilà, parfait. Bien pour nos finances. Je Donc mets nous... mon Mexique avec toi Plaît-il? là. Comment je fais pour renommer mon Mexique U3? Tu vas dans tes dépendances et t'as normalement personnalisé le nom de ta dépendance. C'est vers la fin. C'est en dessous, au-dessus de recruter les marins. C'est trop. Bon, bah Transoxiane. Alors. Permets-moi de... Ah ouais, mais ils sont allés à qui ces Pueblos déjà? À Multan et à Perm. J'ai mon nouvel empereur. J'ai. Et... Bon, bah, on va. Okay. Toutes nos armées sont en route pour. Et... Bon, toi, tu vas rester ici, s'il te plaît. Mater les révoltes. Toi, tu vas aller. Là, je pense qu'avec un stack complet, la Transoxiane, c'est quoi? Militaire. Bon, déjà, on va regarder. Militairement parlant, Transoxiane, t'es où? Ah, t'es pas mal, Transoxiane. Pas trop mal, et en militaire. Transoxiane, t'as 70 000 troupes. Ouais, t'es pas trop mal, Transoxiane. Hein. Ouais. Bon, après, t'es tech combien? T'es tech 23, et moi, je suis tech 23 aussi. Ouais, et puis on est encore à la ramasse dans les points militaires, quoi. Ouais. J'ai regardé vite fait sur Google là, savoir si... L'Italie. Ouais, pour la Ritalie. Putain, téléphone de merde. Alors, EU4, Wiki, Italie. Non, techniquement, ils peuvent, hein. Il leur faut Rome. Il leur faut alors. Rome, Sienne, Ancône, Florence, Brescia, bah Vérone, pardon, Mantoue et Milan. Et après ils Bah, ont ils vont faire. des... Ah, c'est Faut pas chez juste qu'il le nous. corps. Ouais, Faut juste qu'il le corps. peut-être, ouais, peut-être, ouais. Et puis un petit mariage Hein. royal, ouais. Ils vont le faire. Hein. Ouais, ils vont le faire, je leur fais confiance. Et on n'a pas l'institution et j'ai créé aucune... Que je vais faire. Aucune université.
Aucune Ce type université. est quoi l'ingénieur? Non! T'es sérieux? Jeu. Oh putain, mais sérieusement, le Tibet, les lumières. Ouais, bon, ok. Bon. Ça, ouais. Bon, bah pourquoi pas, hein. Bah, pour la peine, je prends des techs, parce que je suis énervé. Enfin, plus un de stabilité, ça fait plaisir, ça. Depuis le temps. Oh non, sérieusement, une conversion à la foi protestante, là tout de suite maintenant, c'était vital. Allez, on continue dans la Scandinavie. Bordel que c'est. Et j'ai un marchand de livres. Et Lübeck, on est qu'à, je suis qu'à 25% alors que j'ai quasiment tout à Lübeck. Je comprends pas ce nœud. Collecter ici, c'est pas mal. On est à 14%. C'est quoi toi? Mon nœud de sibérien, je le vois même pas, je suis sûr. Ah, ça m'emmerde hein, de perdre autant de thunes ici, quoi. Là, ici, ça collecte. Là, ça transfère. Là, on gagne. Faudrait que je fasse le test pour voir. Bon, après, ceci dit, hein, ce qui passe par là. Donc, là, tout envoie. Peut être intéressant, justement, de faire ça. Transfert de puissance commerciale, lui. On va voir ce que ça donne. Oh l'enfer! Quelle galère honnêtement. Et que des révoltes. Alors à chaque fois que j'en finis une, j'ai une révolte. Ultra relou quoi. Putain, il me faut 500. Et pour eux, il me faut combien? Ouais, 200. Ok, bon, on va attendre un peu alors, c'est pas grave. Ouais, donc du coup, la Transoxane est assez vénère. Ouais. Ouais, mais non quoi. En plus, avec la Sibérie quoi. Putain. Déteste me battre. Par là-bas. Bon. Ce qu'on va faire au moins pour créer l'université de manière rapide, on va faire ça. J'ai quasiment tout dans le nœud de Lübeck, à part Lübeck bien évidemment. Mais Lübeck ne donne pas beaucoup. Et les Anglais ont plus. Ça. Bon, ça va, je suis à... Ah si, 36% à voir. C'est bizarre quand même que j'ai si peu. Peut-être parce que ça s'est pas recalculé. Non, chelou quoi. Non, ça, je m'en branle. Je veux juste les bateaux, moi. Trêve de passer, ouais. Bon, en fait, Transoxiane, pour l'instant, je m'en fous. Je veux que ça soit joli. Je vais plutôt attaquer la... Ouais, dans 5 ans, quoi. En 5 ans, le problème de la Transoxiane, c'est que ça va être des batailles dans des steppes. Ça va être chiant au possible. Brême, t'as lié à qui? À Lübeck. Mais t'es dans notre nœud capital, à voir. Ouais. Dans notre futur nœud capital. Coalition, ça donne quoi? Ouais, coalition, il faut que je serre les fesses quand même pendant un temps. Ouais. Ouais, il faut que je fasse gaffe. Putain, perte de instabilité ou un de prestige, quoi. Sérieusement. Oh! Oh là là, beau gosse! Ah, ça fait plaisir! Ah, du coup, tu dois avoir des corps partout. Ouais, ils ont des corps, mais sur, bah, sur toute l'Italie, forcément. Beau gosse, l'Italie! Beau gosse! Ah, ça fait plaisir de voir l'Italie. Voilà, je l'ai dit, que j'allais aider les Italiens, et je l'ai fait. Du coup, ils ont des revendications de type nationalisme. Et leur doctrine, ils ont Ouais. quoi? Ils ont J'espère puissance. qu'ils vont plus être amis avec les Aragons. Ouais, c'est un peu... Bah non, je pense pas. Ils vont pas être amis avec l'Aragon, je pense. Et il me faut que je crée un... Ah non, il faut que je propose une loi. Je t'en pose, moi, des questions, putain.
Bah, modif d'entretien terrestre, alors au pire. Non, non, on va faire ça. Perte de tradition navale. Perdons légitimité. Non, pas la tradition terrestre, hors de question. Puissance cléricale. Et je pense qu'on va s'arrêter là pour cet épisode. Ok. Ah, bon. Attends, je vais juste passer cette putain de... Bon, perte d'argent, voilà. Voilà, je me sens mieux. Voilà. Ça marche. Ok, ok. Bon. Tu dis au revoir quand même, tu restes poli. Je te laisse dire, non ? Tu commences. D'accord. Bon, bah, j'espère que cet épisode vous a plu. Bah, moi aussi. Voilà. Au revoir. Et au revoir, et à la prochaine, les gens. Oh, les gens.